Salut! Monde 4, c'est parti! Ah, je suis un rapide là ce soir parce que ça fait 4 fois que je recommence le tournage. Ça va qu'au bout d'un moment, je fais pas l'épisode en entier parce que j'ai des soucis. Bref, voici l'image. Oh, tiens, je savais pas ça. Ah ben, je l'ai passé. Vous avez vu, Mario, il a sauté. En fin de compte, c'est quand j'ai tapé sur le micro qui est juste là. Ça a fait sauter l'image. Donc en gros, les images en 3D qu'on a pu voir à l'épisode précédent et qui du coup n'étaient pas animées quand on les avait récupérées, ces fameuses images. Et bah finalement on peut les animer en tapant sur le micro, ça je ne le savais pas. C'est quand même incroyable qu'au bout d'un, de tout ce temps je ne le savais pas quoi. Bref, alors on va mettre les choses direct au clair pour les personnes qui regardent cette série pour récupérer le code de téléchargement. Ça se dégage s'il vous plaît, merci. À l'épisode précédent, donc il y a eu une lettre pour télécharger le jeu. Voilà, donc ça c'est dit, je vous laisse la chercher. J'espère pour les personnes qui ont trouvé la lettre auront compris le fonctionnement de ce jeu. Je vais le répéter encore une fois. Et d'ailleurs on va faire quelques petites rectifications. Alors on va mettre la 3D ici parce que c'est important. Je vais d'ailleurs même regarder ma 3DS parce que ici pour faire ce niveau en 3D c'est plus intéressant. Enfin du moins c'est plus pratique de le faire en 3D. Alors attendez. Mario. Mario. Voilà. Ok. Ok. Et là on va là. Super. Ok. On se concentre. Voilà. Je peux enlever la 3D. C'est bon. Parce que ce genre de choses, c'est plus pratique de le faire en 3D. Bref. Alors, je disais donc, pour le jeu, pour gagner ce jeu-là, il faut trouver des lettres dans chaque épisode. Et donc, avec ces lettres-là, vous allez avoir un mot de passe. Un code, entre guillemets. Pas le code du jeu, mais un mot qu'il va falloir me donner pour vous permettre de participer donc à un tirage au sort pour gagner le jeu. A la base c'était censé être en téléchargement, mais j'ai parlé avec Sherman l'autre jour, son code de téléchargement est périmé, donc du coup ce sera Sherman qui monte, ce sera Sherman qui vous enverra son jeu carrément physique, donc en boîte. Et si au cas où, bon je fais confiance à Sherman, mais si au cas où il y a un souci et vous n'avez pas le jeu, je me chargerai personnellement de vous envoyer un jeu. Donc là-dessus, le jeu concours est toujours présent. Une autre chose à préciser, je vais réussir à parler à cette heure-ci, c'est qu'il faut savoir que le mot que j'essaye de vous faire découvrir, c'est pour gagner le jeu certes, mais c'est aussi le nom de mon prochain WT 100%. J'ai déjà dû le dire à l'épisode précédent, mais ça fait pas de mal de répéter les choses, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui récupèrent une série en cours de route. Voilà, donc autant le dire tout de suite. Ensuite, pour ceux qui sont curieux, je tourne, il est 23h30, nous sommes lundi, j'ai fait pas mal d'heures de route parce que je suis rentré du Zelda Hathon 2014 qui s'est déroulé de vendredi à dimanche, de 18h à 18h, 48h quoi, 48 heures de live, c'est trop long. C'est beaucoup, mais ça fait tellement plaisir quoi. On a pu voir les copains, on a pu voir pas mal de monde sur le chat qui font bien plaisir aussi. Pas mal de partages. On a eu la chance d'avoir énormément de partages cette année. Notamment Seb... Non, ça dégage s'il te plaît. Notamment Seb du Grenier, on a eu Ken Borgard, on a eu Benzaï aussi qui a partagé. Il y a eu Psyodélic qui était là qui a partagé. Oh, il y en a tellement. Je risque d'oublier des noms, mais il y a eu énormément de monde qui ont partagé cet événement et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on fait ça pour la bonne cause, hein. On récupère des dons pour l'UNICEF. Ou l'UNICEF. Ah, je sais plus. À chaque fois, je zappe. Parce que c'est l'UNICEF ou l'UNICEF. J'ai honte, hein. Parce que je devrais le savoir, ça. Bref, donc on a récolté pas mal de dons. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et je disais que j'étais parti aujourd'hui du Zeldaton. Hein, et que je suis rentré chez moi. Je suis parti à 14h de là-bas. Pour rentrer à 20h30 chez moi. Il a fallu que je ramène... deux copains chez eux quand même. J'ai fait du covoiturage, ça leur coûte moins cher. Ils ont quand même payé une partie de l'essence, soit dit en passant. Mais bref, c'était juste pour vous dire que voilà quoi. Ok, et donc je suis un peu fatigué. Mais vu que j'ai toujours un peu la forme, ou du moins la motivation de tourner cet épisode-là, je le tourne avec vous. Donc peut-être que ce ne sera pas sans fail. Déjà au niveau des mots que j'essaye de sortir de ma bouche, il y a du fail, hein, parce que là c'est la fatigue qui se fait ressentir. Bref,
Je m'excuse par avance au passage la luminosité de mon visage, parce que je n'ai toujours pas acheté de lampe de bureau pour éclairer mon visage lorsque je joue à la 3DS. Et pour les plus visionneurs, hein, vous auriez vu que là-haut, au niveau de mon casque, il y a du métal. C'est tout simplement parce que mon casque, malheureusement, s'est cassé en cours de route quand je suis rentré aujourd'hui. Il était dans un sac, il était trop compressé et il s'est cassé. Donc du coup, demain, je pars vers la FNAC, placement de produits, pour acheter un nouveau casque. Je sais pas encore qu'est-ce que je prendrai comme casque. On verra si j'en prends... Oh, tu dégages. Je verrai si j'en prends un plus performant ou si je prends le même. Parce que j'ai jamais eu de problème avec ce casque-là, mais... si j'en prends un autre, pourquoi pas, on verra. Bref. Donc là, bah, on a déjà fait deux petits niveaux dans ce monde 4. Hein. Pas trop difficile, encore une fois. Hein. C'est du Mario, j'ai envie de dire, mais bon... Pas déconner, Mario Sunshine était quand même pas facile. Une vie, yeah. Et la deuxième pièce, yeah. Ok. Alors, pour les personnes qui se poseraient également la question, parce que je reçois souvent des questions par rapport à ça, par rapport au contenu que je fais et au, on va dire, au sous que je gagne par rapport à mes vidéos. Hop, déjà on va regarder Kirby. Je vous dis, je suis fatigué. Toad, excusez-moi. Donc par rapport à mes vidéos, il faut que je zoome à fond. D'accord. Bah je reçois des notifications via ce jeu. C'est-à-dire que le robot YouTube reconnaît les musiques du jeu, donc du coup, je suis obligé forcément de dire bah oui, les jeux appartiennent à Nintendo. Et qu'on se le dise, moi personnellement, ça ne me dérange pas une seule seconde. Que ce soit Nintendo qui récupère les sous que je vais y arriver. Ça ne me dérange pas que ce soit Nintendo qui prenne les sous. J'ai pas le mot. Que j'arrive à avoir, entre guillemets, via les vues que j'ai sur mes vidéos. Tout simplement parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est vous faire plaisir avec mes vidéos et, optionnellement, me faire plaisir à gagner un petit peu de sous. Mais si je peux... Si je ne gagne pas de sous sur mes vidéos, c'est pas la mort non plus. À partir du moment où vous êtes là à commenter, à regarder mes vidéos, pour moi déjà c'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui je me rends compte, hein, on est plus de 4000 sur la chaîne. Bon, pour certaines personnes, 4000 c'est pas beaucoup. Pour moi, 4000 c'est énorme. Et ça me fait vraiment, wow, mais vraiment plaisir que vous soyez toujours là présent à regarder mes vidéos. Allez, boum. Donc encore une fois, ouais, faut que tu avances mon pote. Donc encore une fois, merci pour tout de me suivre. Il y a juste une chose, je me permets de vous le demander. Si c'est faisable, bien sûr, c'est à vous de voir si je le mérite ou non. Il y a une chose que j'aimerais vous demander, c'est de partager mes vidéos. Parce que autant commenter, j'adore ça parce que je lis vos commentaires. Je lis tous vos commentaires d'ailleurs, même si par moment on a l'impression que je les lis pas, parce qu'il y a pas mal de moments où j'ai pas le temps par rapport à ce que je fais derrière. Donc là-dessus, encore une fois, je m'excuse. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez, si vous voulez bien, bien sûr, hein, c'est... Voilà, je vous le demande, hein, vous acceptez pas. C'est que vous partagiez mes vidéos. Je dirais pas en masse, mais presque. Que vous les partagiez... Par là. Que vous les partagiez, parce que plus vous partagez, plus on récupère des personnes, en fin de compte, qui regardent mes vidéos. Donc plus on est nombreux, plus ça me fait plaisir. Et plus j'aurais envie de faire des choses complètement dingues. Parce que j'ai... Hop, drapeau doré. Parce que j'ai quelques projets en tête qui ne sont pas forcément des WT ou des Let's Play. Je ne vous en parlerai pas parce que c'est top secret. C'est un projet que j'ai commencé d'ailleurs il y a plus d'un an. J'aurais pu le sortir il y a plus d'un an d'ailleurs. Mais je l'ai jamais sorti parce que j'ai pas eu la motive de faire le montage. Mais c'est resté dans un coin de PC. Et du coup, j'attends le moment opportun pour essayer de proposer ce genre de choses. Parce que c'est complètement différent de ce que je fais. Enfin, de ce que je fais. C'est toujours en rapport avec le jeu vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Je serai toujours en commentary, hein, donc j'aurai toujours ma belle voix bien grave. Ceux qui aiment ma voix grave, ceux qui ne l'aiment pas, notamment ceux qui n'aiment pas la voix de Monster, ce que je peux comprendre d'ailleurs vis-à-vis de la voix de Monster parce que elle est différente.
Attendez, d'abord je vais aller récupérer la pièce étoile qui se trouve juste là. C'est la première, n'est-ce pas? Merci. Donc je disais oui, ce sera un... Non, je vais arrêter d'en parler parce que sinon ça va vous donner l'eau à la bouche. Et ça va être plus fort que moi, je vais être obligé de dire qu'est-ce que c'est. Mais j'ai pas envie de vous dire qu'est-ce que c'est. J'ai envie de garder la surprise, même si ça fait un an que je la garde cette surprise. C'est un petit peu incroyable ça. Mais quoi qu'il en soit, donc ce que je vous disais c'était... Oups. De partager en masse mes vidéos pour qu'on soit plus nombreux à regarder. Ce serait vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que je vous demande en fin de compte, si vous êtes d'accord. Après, continuez à mettre des pouces verts, des pouces bleus, si vous en avez envie. Des commentaires, ça c'est bien conseillé, parce que j'aime les commentaires, enfin c'est conseillé. Encore une fois, c'est vous qui voyez, hein. Je force en rien personne. Mais ce sont des petites choses sur YouTube qui sont toujours sympas. Quand on arrive, qu'on allume son PC et qu'on voit qu'on a pas mal de commentaires ou qu'on voit pas mal de bonnes choses dites sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je pense que toutes les personnes qui me suivent, qui ont une chaîne YouTube aussi, comprendront mon point de vue. Ok. Après... C'est clair et net que je préférerais que les gens partagent d'eux-mêmes, que je n'ai pas à vous le demander. En soi, là, je vous le demande pas. C'est un... Enfin, si, je vous le demande un petit peu quand même. Mais c'est un service que je vous demande, si vous êtes d'accord ou non. De toute façon, c'est la seule et unique fois... Enfin, peut-être pas la seule fois que je vous le demanderai, personnellellement, comme ça, comme je le fais en ce moment en vidéo avec vous. Mais... Mais de temps en temps, je vous le demanderai, mais vraiment, vraiment pas tout le temps. Une fois par mois, limite. Limite, une fois par mois, c'est tout. Parce que j'ai pas envie de forcer les gens à mettre des pouces bleus. J'ai pas envie de forcer les gens à mettre des commentaires. J'ai pas envie de forcer les gens à partager non plus. C'est vraiment... Faut que ça vienne de vous, quoi. Faut que ça vienne du cœur. Dégage-toi. Voilà ce que je veux dire. Parce que pour moi, faire des vidéos, c'est un passe-temps. Un très très bon passe-temps, parce que j'aime vraiment énormément ce que je fais. Et donc, à chaque fois que j'ai des retours positifs, c'est juste royal, quoi. Ça me donne encore plus envie d'avancer, de faire d'autres choses et tout. Enfin, bref. Je pense que vous arrivez à comprendre un peu mon point de vue là-dessus. Je vais pas en parler un petit peu plus. Toi, tu vas mourir. Sauf qu'il s'en va, le saligot. Ouais, dégage. Ok, la dernière pièce, c'est bon. Oh, dégage, meurs. Merci. Allez, vite, vite, vite. On a récupéré toutes les pièces. On va rentrer dans le tuyau et se battre contre un boss. Une femme. Avec des boomerangs. J'ai oublié son nom d'ailleurs à cette fille. Oui, 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 oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Balance ton boomerang là. Et donc, elle. Elle fait ça. Voilà. Elle essaie de nous écraser. Hop, vas-y, tac. Tu vas rester à ta place, ma belle. Voilà. 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 Tu vas rester à ta place, j'ai dit. Et voilà, tu es décédé. Je vais récupérer toutes tes pièces. J'ai le nez qui chatouille. On va terminer l'épisode rapidement avant que j'éternue comme un lardon. Ok. On va récupérer le drapeau doré. Tout à gauche, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Peut-être une vie, je ne sais pas. Et voilà! Et je me suis pas retenu d'éternuer. Eh ouais. Bref. Donc voilà, bah c'est terminé pour le monde 4. C'est passé très très vite. Ouais, 14 minutes, c'est passé très vite. Bah j'ai quand même bien blablaté avec vous, je suis bien content. On a pu parler de pas mal de choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas, partagez. Si vous aimez vraiment mes vidéos, partagez-les. Commentez-les pour me donner vos avis, dire ce que vous avez aimé. Mettez des pouces et éventuellement, si vous avez vraiment aimé, hein, enfin vraiment vraiment aimé, c'est partager. Aimer la vidéo, c'est pouce. Et commentaire, c'est le petit plus pour faire plaisir. Après, c'est vous qui voyez, bref. Et dans cet épisode là, il y a une lettre. Comme ça je le dis tout de suite maintenant. Si vous voulez la chercher, cherchez-la. Bref, j'ai dû dire plusieurs fois bref. Donc bref, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de Super Mario 3D Land. Bye.
Ba-da-b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 a